I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, ouais enfin, enfin ça fait quand même 24 heures, j'en ai pas sorti un, hein. Attention le délai est immense. Donc pour un nouvel épisode, à propos donc une sorte de Q&A, c'est à dire en gros je vous peux, enfin vous me posez des questions dans la barre des commentaires et vous pouvez le faire dans cette vidéo là, c'est à dire vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo à laquelle, voilà, de ce style là avec un gameplay à laquelle je réponds aux questions, donc c'est super simple, vous pouvez poser toutes vos questions, je suis un peu déçu quelque part parce que voilà, les gens ils se sont vraiment restés, ils sont, voilà, ils ont pas élargi leur pensée au niveau des questions, c'est à dire ils ont pas vraiment pensé pour l'instant, en plus quelque chose de très tabou. Par exemple, je sais pas, je peux vous donner un exemple, par exemple l'argent sur YouTube, ou je sais pas ce que je fais dans ma vie, ou des trucs comme ça. Il n'y a pas eu vraiment de questions dans ce style là pour l'instant, c'est plus vu que j'en avais rigolé l'autre fois, hein, vous en rappelez à propos du sexe d'ailleurs, il y en a plein qui ont râlé, il y en a qui m'ont posé des questions, je me suis dit bon, pourquoi pas répondre, hein, forcément je me suis mis dans le jeu, on joue le jeu. Mais voilà, bon après j'ai pas eu, voilà, réellement de, bon j'ai eu quelques petites questions au niveau de ma vie, mais voilà, en tout cas ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que voilà, je suis un youtubeur, tout ça, et je suis à votre disposition. Et ouais, c'est le cas. En gros, bah franchement là je suis en train de vous répondre cash, c'est à dire que je suis en train de vous parler comme si finalement en fait j'étais en train de boire un verre avec vous. C'est à dire voilà, je suis, c'est comme si j'étais en face de vous, en train de boire un verre et je vous parlais normalement. Vous savez un peu cette logique là. C'est vrai que honnêtement la plupart des youtubeurs, malheureusement, ils se donnent un caractère, ils se donnent un rôle sur YouTube, et quand tu les vois pour de vrai, tu dis mais attends, le mec il est pas du tout comme ça en fait pour de vrai. Et c'est vrai que là je sors un peu finalement de ce personnage là que je me suis créé, bien sûr dans les Breaking News je serais pareil, mais sauf que voilà, dans ce genre de vidéo là je m'ouvre finalement, j'ouvre beaucoup plus les portes et je vous parle comme si voilà j'étais en face de vous en train de boire un verre. Bref, on se retrouve pour un petit gameplay donc au passage de Medal of Honor. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore ce jeu, enfin en tout cas le premier volet sur PlayStation 3 et Xbox 360 je crois, si je dis pas de bêtises, je sais pas sur Xbox 360, en tout cas sur PS3. Et puis je vais répondre à vos questions. Donc la première question, donc une personne donc qui s'appelle Trio70 Gaming, il y a 18h, donc il m'a dit c'est bien que tu répondes à toutes les questions de tes abonnés. Donc j'essaye honnêtement de répondre au plus de questions possibles. Et en gros il me remercie, il me dit ça fait longtemps, nanana, et ça change de GTA ou d'autres jeux, donc au niveau du gameplay. Bon bah merci en tout cas à toi. Il y en a un qui d'ailleurs une petite critique qui m'a lancé, donc qui s'appelle Hugo les Tortilles, il y a 23h, qui m'a dit bon Christo c'est que tu arrêtes YouTube. Alors écoute, pour l'instant non, franchement j'ai pas prévu, je suis désolé pour toi, peut-être que tu en meurs d'envie, mais non, voilà. Alors on passe avec une autre question, donc StevenBG51, waouh, il y a 21h, qui dit fais une vidéo pour parler en fait de tout ça et plus profond quand tu dis au cœur ou lycée, c'est vrai, waouh, putain le mec j'ai pas trop bien compris, je crois en fait qu'il parle en fait au niveau des femmes, je vous en avais parlé, je vous ai dit est-ce que vous voulez que j'en parle dans une vidéo complète. J'ai vu, je crois qu'il y avait 4 commentaires qui m'ont dit qu'ils étaient pour. Donc si vous voulez vraiment, dites-le moi dans la barre des commentaires. Et si j'ai plus de 5 personnes qui sont pour, bah je ferai une vidéo à part où je parlerai que de ça. Elle pourra durer 20-30 minutes et j'essaierai de vous donner toute mon expérience personnelle. Voilà, attention, hein, c'est une expérience que je vous donne, parce que moi je trouve qu'honnêtement YouTube aussi c'est un peu ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr, bon, malheureusement il y a plein de rageux sur ma chaîne, donc la plupart vont pas comprendre. Mais il faut un peu de maturité, c'est-à-dire que finalement ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de partager mes connaissances qui peuvent éventuellement vous aider ou vous inspirer ou vous ouvrir un peu l'esprit. Bon voilà, c'est un peu une chose que j'essaye de faire, et à l'inverse vous pouvez aussi me dire des choses à laquelle ça peut m'aider à ouvrir mon esprit. C'est-à-dire je peux apprendre des choses et me dire ah ouais d'accord, en fait t'avais raison là-dessus. Voilà. Christo, est-ce que t'es déjà allé manger au resto avec une meuf pour mieux séduire? Honnêtement non, j'ai jamais fait de resto pour séduire en fait. Je suis plus aller des trucs simples en fait, parce que c'est plus des choses plutôt drôles ou des trucs comme ça à laquelle on va dire que tu peux plus je sais pas, pas forcément au resto ou un truc comme ça, mais plus un fast food ou un truc comme ça. Ça peut paraître, ça fait pas radin, attention hein, je veux pas paraître radin ou un truc comme ça, mais quelque part ça peut être voilà, tu peux aussi séduire une,
aussi une femme. Après, attention, hein, tu peux aller la ramener au resto, mais j'ai ramené bien sûr des femmes au resto, mais c'était pas pour séduire, parce que j'étais déjà avec, en fait, tout simplement. Tu fais du gaming, les filles te prennent pour un gros geek. Point d'interrogation, bonne chance, point d'exclamation. Malheureusement, oui, un peu. Le fait de faire des vidéos comme ça, même si je fais sur de la technologie, des trucs comme ça, forcément, il y en a qui vont considérer comme des geeks. Ce qui est dommage. Et honnêtement, j'aime pas ce mot geek, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'utilisent pour rabaisser les gens. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça immature, honnêtement, des personnes qui, voilà, ils vont dire sale geek ou des trucs comme ça. Je trouve ça débile. C'est pas du tout intelligent de leur part de dire ce genre de choses. Et honnêtement, la personne qui me dit ça, je lui dis de pas me le redire, parce qu'honnêtement, j'aime pas qu'on me le dise. Et même un adulte, hein, quand il me le dit, moi je regarde et je lui dis est-ce que vous pouvez pas me le redire, s'il vous plaît, parce que moi j'aime pas quand enfin, c'est compliqué, si vous voulez, parce que moi, ce mot geek, pour moi, c'est le fait de rabaisser. J'ai tellement entendu les gens rabaisser les gens avec le mot geek que finalement, moi, on peut pas me le dire. Et voilà, c'est comme ça. Il y a aucune honte de jouer à des jeux vidéo, d'être fan de ça. Et voilà, moi, honnêtement, il y a aucune honte. Qu'est-ce que t'as, franchement, des fois, moi, honnêtement, je préfère rester chez moi en train de squatter ma console que de sortir prendre la taille avec des potes ou même, voilà, finalement, pour rentrer tard chez toi et puis être niqué le lendemain. Voilà, c'est une opinion. Ma meuf est polonaise, donc elle a le cul tout blanc. Mais bon, il s'est passé quoi avec votre caprode? Ah, donc ça, c'était avec un youtubeur avec lequel j'avais un problème. Si vous voulez que je fasse une vidéo à part sur ça, pourquoi pas, mais sachez que je risque d'avoir des problèmes, parce qu'après, il y en a beaucoup qui vont critiquer tout ça, donc je crois pas que c'est une bonne idée. En tout cas, voilà, donc l'expliquer comme ça en vidéo, c'est trop long. Je pourrais pas t'expliquer, mais pourquoi pas. Moi, honnêtement, je cache rien, j'ai rien à cacher. Je fais mes vidéos, tout ça, et puis bah les gens qui me font chier, bah pourquoi pas, hein, moi je peux très bien leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. Bah voilà, ouais, moi j'ai aucun problème là-dessus. Fais une vidéo sur les fans, donc Gabriel Bondil qui m'a dit ça, donc il y a 18h, je verrai ça, on verra ça dans cette vidéo-là, hein, dans la barre des commentaires, s'il y en a pas mal qui sont plutôt partants, bah écoutez, pourquoi pas, éventuellement. Attention, là on a Thomas Dieu, Dieu me garde-il, oulala, il y a 14h, il me dit... Fermez toutes vos gueules, il fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Si vous aimez pas, en gros, regardez pas. Bref, j'ai une question, Christo. Ça fait. Ah oui, d'ailleurs, il avait une très bonne question. D'ailleurs, au passage, merci de me défendre. Et il avait une bonne question, c'était. Christo, ça t'a fait quoi ta première relation avec une meuf? Bonne question d'ailleurs, au fait, on va dire mon premier vrai amour. Enfin non, en fait, la première fois où je suis tombé vraiment amoureux, c'était envers une femme à laquelle j'étais ami et je suis toujours resté ami avec elle. Et d'ailleurs bon, elle le sait en fait que j'étais amoureux d'elle, mais en plus de ça, bon bah elle était pas amoureuse d'elle, enfin amoureuse de moi, excusez-moi. Mais voilà, en gros, c'était une personne, en fait, c'est un peu compliqué. Excusez-moi, il y a mon chien en fait, là, en train de jouer avec un bâton. Je sais pas si vous allez l'entendre. En gros, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, avec cette personne-là, finalement, je l'ai aimée et elle le savait pas et j'avais... En fait, j'avais peur de lui dire parce que j'avais peur de perdre l'amitié. Voilà, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs. Tu vois, t'es tellement bien avec elle, tout ça, tu la vois, et puis finalement, t'as peur de lui dire parce que tu dis à une meuf, enfin, à une femme, en gros, t'as des sentiments pour elle, et elle, si elle a un mec ou un truc comme ça, elle peut te rejeter, ou alors elle peut faire des trucs comme ça, et puis ou te finalement te mettre de côté, te regarder différemment. Excusez-moi, il y a mon chien. Oh, tu fais quoi là? Il est en train de manger. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, il bouffe un livre. Oh là 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 là, la galère. En plus, je m'en fous un peu. C'est quoi comme livre? Ok, d'accord. Oui, donc je reviens. Donc voilà. Donc en gros, ça c'est un peu mon histoire. Je peux aussi, pourquoi pas, en parler. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu des sujets un peu plus longs. Par contre, ce genre de questions-là. En tout cas, j'ai un peu répondu à ta question. C'est-à-dire que c'est finalement un premier amour à laquelle c'était de mon côté, mais pas de son côté. Voilà. Mais j'ai aucune honte de vous le dire. Hein, et je me suis tapé sur la dévente, ça, et je me suis fait. J'ai beaucoup souffert forcément parce que j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas osé lui dire et elle l'a pas su. Et c'est un peu comme dans les films, quoi. Et puis elle est allée voir ailleurs, des trucs comme ça. Et forcément, c'est normal. Mais en tout cas. Voilà, donc j'ai toujours contact en plus avec elle, elle le sait. Est-ce que je l'aime toujours? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Honnêtement, non, mais je ressens des petits trucs et c'est pas quelqu'un que j'oublierai dans ma vie. Ça a été une personne vraiment, la première personne que j'ai vraiment aimée. Nobilio Archiel, il y a 17h, qui m'a posé une question. Il a dit: où habites-tu? Prévois-tu des rencontres abonnées? J'ai fait une rencontre abonnée, c'est à Lyon, donc il y a Bellecour, la place Bellecour. En gros, Lyon, c'est donc j'habite au centre de Lyon. Si vous voulez, vers Hôtel de Ville pour les connaisseurs, je vous dirai pas où exactement où je suis parce que c'est plus personnel, mais en tout cas,
Voilà, donc d'ailleurs au passage là c'est un écran noir qui s'affiche sur l'écran. Je vais un peu dépasser le délai du gameplay. C'est donc un gameplay de Medal of Honor que j'ai réalisé hier soir juste pour vous. Et honnêtement le mode histoire ça fait 3 fois que je le fais et c'est un très bon jeu. Si vous voulez vraiment acheter un jeu à laquelle c'est un FPS qui vous intéresse, voilà plutôt un FPS, franchement ce Medal of Honor, je sais que la maniabilité du jeu, la fluidité est assez étrange comparée au FPS tel que Battlefield ou on va dire aussi Call of Duty, mais c'est un jeu qui vaut vraiment le détour et surtout pour le prix. Enfin là c'est le premier, excuse-moi, c'est le premier donc Medal of Honor donc sur la génération, l'ancienne génération de consoles, c'est-à-dire la PlayStation 3 je crois si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il m'a dit où habites-tu et prévois-tu des rencontres abonnés? Pour l'instant non, parce que bon bah en ce moment c'est vrai je vois il y a pas mal de rageux, des trucs comme ça sur ma chaîne, donc forcément ça me donne pas très envie et je pense ma prochaine rencontre abonnée je filmerai pour vous montrer à peu près tout ça. Mais sachez que là je vous parle à travers ce gameplay là, je vous parle en fait comme si j'étais en train de boire un verre avec vous et franchement imprégnez le bien dans votre tête parce que tout peu de youtubeurs vous feront ce genre de choses. Moi je vous parle vraiment cash et voilà, n'hésitez vraiment 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 pas à me poser des questions qui peuvent porter je sais pas un peu voilà ce que ce soit sur YouTube, ce que j'en pense ou sur l'argent ou des trucs comme ça ou qu'est-ce que j'en fais de l'argent finalement. Je peux vous y répondre et cash, hein, y a aucune honte à ce que je dise bon bah voilà l'autre fois je suis allé à l'hôtel ou des trucs comme ça. Moi franchement je vais pas vous mentir, je vous le dis. Et y en a qui vont me dire c'est ta vie privée tout ça, mais moi je m'en fous. Enfin comment vous expliquer, je vais terminer cette vidéo rapidement parce que ça y a un écran noir, mais comment vous expliquer, c'est pas compliqué, c'est je fais quand même un peu ce que je veux, c'est-à-dire que si j'ai envie de raconter un peu ma vie privée, voilà, si ça en intéresse tant mieux, si ça en intéresse pas bah tant pis pour vous. S'il y en a qui aiment pas mes vidéos bah allez regarder mes breaking news, si ça vous intéresse pas bah mettez un dislike, un j'aime pas et puis vous désabonnez et vous partez. Je préfère avoir 5000 abonnés et finalement faire ce que j'aime qu'au lieu d'avoir 75 000 abonnés et finalement bah de pas faire ce que, enfin finalement de suivre ce qu'on me demande de faire et c'est pas ce que je veux faire. Voilà, en tout cas je termine cette vidéo avec ça en espérant que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous parle au plus voilà, j'essaie de le plus sérieux possible en espérant que la plupart des personnes comprendront. 11 minutes 46 de gameplay, enfin non un peu moins, 10 minutes et puis je vous dis à la prochaine, portez vous bien et puis je vous dis d'ailleurs à demain, je verrai à peu près tout ça, peut-être il y aura la suite de ce gameplay là. Posez vos questions, n'hésitez pas les gens, n'hésitez pas, là je suis bien posé, demain je m'achèterai une petite bière, comme ça je serai tranquille, posé, et posez-moi vos questions. Voilà, vous pourrez boire un petit coup comme ça pendant que vous louquerez ma vidéo, ça peut être drôle. Voilà, peace out.